Bon, je commence immédiatement. Voilà. Donc, je commence à m'enregistrer même moi-même. Je vous fais la définition de parafiscalité et on va pouvoir éventuellement discuter sur les ondes de Facebook, de YouTube, même dans les médias d'information, parce que vous savez que les médias d'information sont là pour tout simplement dire tout ce qui peut faire l'affaire du gouvernement, tout ce qui peut satisfaire les besoins de l'État. Donc, peu importe le scandale publié par les médias d'information au sujet de ceux qui nous trompent dans nos gouvernants, parmi nos gouvernants, parmi les ministres, les députés, parmi les juges, les avocats, les notaires, les comptables, les fiscalistes, peu importe. Il y a des choses qui n'ont pas le droit de parler, ces gens-là. Les médias d'information peuvent dire n'importe quoi, mais là, je vais vous expliquer ce que veut dire parafiscalité. Et j'ai posé une question sur justement ce document-là, ici, là, que je rends public, sur Facebook, et j'espère que vous allez répondre et le partager. Donc, je vais quand même vous lire exactement ce que je voulais dire ici, voir la suite. Donc, attendez un petit peu. Parce qu'il y en a des fois qui ne lisent pas nécessairement ce que je place ici. Donc, voici la définition en français de parafiscalité pour ceux et celles qui veulent placer dans l'embarras. Les fiscalistes, les comptables, les notaires, les juges hors la loi et leurs avocats et avocates, membres du barreau du pays du Québec, hein, donc avocats, avocates de la Reine du Québec. La Reine du Québec, vous savez, comme moi, hein, c'est public, c'est Mme Nicole Esler-Duval, qui se trouve à être la juge en chef du Québec, c'est-à-dire la juge en chef de la Cour d'appel du Québec. C'est elle qui accepte ou refuse les appels des justiciables qui se sont fait fourrer en Cour supérieure ou en Cour du Québec ou même devant un tribunal administratif. Tous sont du barreau du pays du Québec de 1968, 1991, 2000 du Québec, qui est un pays. Okay? Pour ceux et celles qui veulent me contacter, c'est le 438-190-6246. Appelez-moi pas tout de suite, là, parce que je suis en train de faire l'enregistrement. Et c'est Jacques-Antoine. Donc, je vais vous lire immédiatement ce que signifie, ce que veut dire parafiscalité. C'est quand même assez important. Je pense qu'il faut vraiment porter attention à ça. Moi, quand on m'a donné quand on m'a fourni cette définition-là ce matin, j'ai tombé de ma chaise, mais voyez-vous, je suis assis sur ma chaise quand même. Donc, je suis correct. Donc, le dictionnaire, c'est un dictionnaire universel. Peut-être pas obligé de vous donner le nom du dictionnaire, parce qu'on sait bien que le gouvernement, aussitôt qu'un livre qui a de l'allure, qui peut vous informer, ils vont le détruire sur toute la planète. Donc, je m'autant pas vous dire d'où c'est écrit, parce que c'est perfide gouvernants, dirigeants, qu'ils soient politiques ou judiciaires, sont là pour remplir les poches des banques, pour remplir les poches de l'oligarchie anarchique qui gouverne et qui contrôle le Parlement du Canada, le Parlement du Québec, ainsi que les tribunaux judiciaires. Les tribunaux judiciaires appartiennent aux grandes entreprises, surtout aux banques. Ils sont là pour protéger la fiscalité, qui est complètement illicite, illégale, inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle et délictuelle. Et cette fiscalité-là, ben, elle est protégée par les corps policiers, par la sécurité publique, qui sont là par les huissiers, OK, et par tous ceux qui ont mandat de punir les gens qui connaissent leurs droits. Et en parlant de la Sûreté du Québec, vous savez que la Sûreté du Québec était désignée comme étant la Sûreté provinciale du Québec avant 1968. Et en 1968, quand ils ont aboli l'Assemblée législative du Québec, le Conseil législatif du Québec, l'autorité et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur du Québec, la Sûreté provinciale du Québec est devenue la Sûreté du Québec en 1968, alors que c'est drôle que, pourtant, René Lévesque et Pierre Elliott Trudeau, ainsi que Jean-Jacques Bertrand
Et Daniel Johnson, père, était au courant de ça quand ils ont séparé le Québec du Canada en 1968 pour créer le monocaméralisme législatif du Québec, donc l'Assemblée nationale du Québec, qui est à nulle part dans les articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui n'ont jamais été amendés à l'instant même où je vous parle. Donc, le Québec est censé être encore composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif, des pouvoirs et de l'autorité du lieutenant-gouverneur, alors que le lieutenant-gouverneur, actuellement, c'est une marionnette. C'est tout simplement un instrument qu'on paye avec nos taxes et nos impôts et qui travaille. Le lieutenant-gouverneur lui-même, là, qui est bâtonnier actuellement, Jean-Michel Doyon, travaille contre la monarchie, travaille contre la reine, travaille contre le pouvoir exécutif pour mieux fourrer non seulement les Québécoises et les Québécois, mais aussi tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Et vous en avez un à Ottawa qui s'appelle Justin Trudeau, le fils de Pierre-Yves Trudeau. Et c'est ces gens-là qui font partie, si vous voulez, de l'oligarchie. C'est ces gens-là qui possèdent le pétrole ici au Canada, qui sont en charge de tout et qui travaillent contre le peuple. Donc, je vous donne la définition de parafiscalité. Parafiscalité se dit d'un ensemble de taxes, de redevances et cotisations que les particuliers doivent supporter et acquitter, mais qui ne sont pas, à proprement parler, des impôts. Donc, la parafiscalité ne sont pas à proprement parler des impôts, notamment parce que le produit n'en est pas destiné aux caisses publiques. On parle de fiscalité, là. On ne parle pas rien de l'impôt. Quand on parle de fiscalité, l'impôt, est-ce que ça fait partie de la fiscalité? Il va falloir vous demander ça à votre avocat, à votre notaire, au juge. Est-ce que l'impôt fait partie de la fiscalité? Donc, parlez pas de parafiscalité, par exemple, parce que d'une façon ou d'une autre, eux autres le savent. Il ne faut pas tout leur dire aux avocats ou aux juges. Vous leur demandez tout simplement, est-ce que l'impôt fait partie de la parafiscalité? Ensuite de ça, vous arrivez devant un juge, puis vous lui expliquez, vous lui donnez la définition de parafiscalité. Donc, la parafiscalité, elles ont une affectation spéciale d'ordre économique ou social. Donc, la parafiscalité, elle a une affectation spéciale d'ordre économique ou social. C'est pour ça qu'actuellement, l'Assemblée nationale du Québec n'est pas l'Assemblée nationale du Québec, mais bien la Commission de l'économie et du travail. C'est ça le nom de l'Assemblée nationale. C'est défini au registraire des entreprises et des biens non réclamés 153-21-66 de Revenu Québec. Donc, l'Assemblée nationale, c'est la Commission de l'économie et du travail. Donc, la parafiscalité a une affectation spéciale d'ordre seulement économique ou social. Donc, économique, c'est comme on vient de vous dire. Et social, mais ça parle des travailleurs, du travail, de l'esclavage et tout ce que vous voulez. Donc, les unes servent à la péréquation des prix. Hein? Les unes, là, servent à la péréquation des prix. D'autres, à financer l'équipement de certaines entreprises. C'est partenariat public-privé. D'autres, à subventionner certaines branches de la production. C'est toujours pour créer de l'emploi, pour vider vos poches, parce qu'oubliez pas que le gouvernement vous endettez à 174% de vos revenus, puis le gouvernement va chercher entre 28 et 53% de vos revenus. Et ça, les médias d'information se moquent de ça, parce que généralement, ceux qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans nos médias d'information mettent tout ça sur les programmes d'évasion et d'évitement fiscal, sur les crédits d'impôt. On sait que tout ce qui est à la télévision est financé tout simplement à partir de crédits d'impôt. Donc, crédit d'impôt veut dire que les gens ne payent pas d'impôt. D'autres encore, à couvrir les frais d'organismes professionnels ou interprofessionnels ou de services d'études techniques. D'autres, hein, parafiscalité, là, servent
à assurer le financement de la sécurité sociale. Votre assurance sociale, numéro d'assurance sociale, et des allocations familiales. Donc, entre vous et moi, l'impôt sur vos revenus, est-ce que ça sert à financer la santé, l'éducation? Est-ce que ça sert à financer vos besoins? Donc, si on peut même parler de la sécurité du revenu, de l'assurance chômage et tout ça, non. Et là, je répète, je vais vous répéter, parce que là, je suis intervenu sur différents sujets directement en lisant la définition de parafiscalité. Donc, je vous le lis sans aucune interruption. La parafiscalité se dit d'un ensemble de taxes, redevances et cotisations que les particuliers doivent supporter et acquitter, virgule, mais qui ne sont pas, virgule, à proprement parler, virgule, des impôts, notamment parce que le produit n'est pas destiné aux caisses publiques. Le produit n'est pas destiné aux caisses publiques. Pas d'argent. Donc, si ce n'est pas destiné aux caisses publiques, qui gouverne cette parafiscalité-là? C'est la banque du gouvernement fédéral. On appelle ça la banque le gouvernement fédéral. Pas la Banque du Canada, non, la banque le gouvernement fédéral. Sa succursale porte le numéro 117. Alors, pas d'argent. La Banque du Canada, sa succursale porte le numéro 177. Donc, la parafiscalité, tout ce qui est parafiscalité, ont une affectation spéciale d'ordre économique ou social. Les unes servent à la péréquation des prix, d'autres à financer l'équipement de certaines entreprises, d'autres à subventionner certaines branches de la production, d'autres encore à couvrir les frais d'organismes professionnels ou interprofessionnels ou de services d'études techniques, d'autres à assurer le financement de la sécurité sociale et des allocations familiales. Donc, les unes servent à la péréquation des prix, d'autres à financer l'équipement de certaines entreprises. OK? Donc, on sait tous ensemble les frais d'organisme interprofessionnels. Elles ont une affectation spéciale d'ordre économique ou social. Si on dit les jeunes servent à la péréquation des prix, d'autres à financer l'équipement de certaines entreprises, qu'est-ce que vous pensez que c'est que le partenariat public-privé? Où est financé ces entreprises-là, ceux qui bâtissent actuellement, là, le nouveau pont Champlain, qui ont bâti le centre universitaire hospitalier McGill et tout ça. Pensez-vous que quand ça va être tout payé, cela, quand ça va être tout terminé, ces bâtisses-là, là, après avoir payé des taxes et des impôts là-dessus, pensez-vous qu'ils vont tous déduire que si on paye en taxes et en impôts là-dessus? Non. Vous allez vous retrouver avec un beau cadeau. Ils vont vous présenter le pont, il va y avoir des feux d'artifice et tout ce que vous voulez. Ils vont rendre ça public, et si ça leur coûtait 8 milliards de dollars, ben vous allez payer de vos taxes et vos impôts 8 milliards de... Oui, je suis en enregistrement, raccroché. Mon Dieu Seigneur. Donc, je commence à m'enregistrer même moi-même. Je vous fais la définition de parafiscalité sociale et des allocations familiales. Donc, les unes servent à la péréquation des prix, d'autres à financer l'équipement de certaines entreprises, OK? Donc, on sait tous ensemble les frais d'organisme interprofessionnels. Elles ont une affectation spéciale d'ordre économique ou social. Si on dit les unes servent à la péréquation des prix, d'autres à financer l'équipement de certaines entreprises, qu'est-ce que vous pensez que c'est que le partenariat public-privé?
où est financé ces entreprises-là, ceux qui bâtissent actuellement là, le nouveau pont Champlain, qui ont bâti le centre universitaire hospitalier McGill et tout ça. Pensez-vous que quand ça va être tout payé, cela, quand ça va être tout terminé, ces bâtisses-là, là, après avoir payé des taxes et des impôts là-dessus, pensez-vous qu'ils vont tous déduire que ce qu'ils ont payé en taxes et en impôts là-dessus? Non. Vous allez vous retrouver avec un beau cadeau. Ils vont vous présenter le pont, il va y avoir des feux d'artifice et tout ce que vous voulez. Ils vont rendre ça public. Et si ça leur coûtait 8 milliards de dollars, ben vous allez payer de vos taxes et vos impôts 8 milliards de dollars. Même si durant toute la période de construction, les gens qui ont travaillé là-dessus ont payé des impôts, tous les matériaux ont été taxés en TPS, en TVQ et en taxes cachées. Donc, on appelle ça du partenariat public-privé. Donc, la parafiscalité, c'est l'argent que possède le gouvernement en partenariat public-privé avec les entreprises. Donc, cette parafiscalité-là est un financement qui appartient au gouvernement, bien, à partir de là, c'est vous qui payez pour ça, alors que ça sert absolument à absolument rien, qui finance la santé, qui finance l'éducation, qui finance les services sociaux, que ce soit même les centres carcéraux ou quoi que ce soit. Le gouvernement va chercher des taxes et des impôts partout, partout, partout. Et c'est fait, on appelle ça de la fiscalité. C'est pour ça que le mot « impôt », hein, dans la loi I3 de 1985, de la loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3, article 1, on définit bien le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, la parafiscalité n'est pas légale. La parafiscalité, qui fait partie d'une forme d'impôt, ce n'est pas légal. C'est tout simplement illégitime, illégal, inconstitutionnel et anticonstitutionnel. Hey Johnny, écoute, il faut, même si je suis sur enregistrement, je vais te relire le mot parafiscalité, puis je veux que tu comprennes, comme les gens, là, je parle peut-être à 100, à 200 ou à 300 personnes, je ne sais pas, ils vont se le partager. Le mot parafiscalité, ça veut dire ceci, on vient de me donner ça, là, j'ai tombé à terre. Ça se dit d'un ensemble de taxes, redevances et cotisations que les particuliers doivent supporter et acquitter, mais qui ne sont pas, à proprement parler, des impôts, notamment parce que le produit n'en est pas destiné aux caisses publiques. Elles ont une affectation spéciale d'ordre économique ou social. Les unes servent à la péréquation des prix, d'autres à financer l'équipement de certaines entreprises, d'autres à subventionner certaines branches de la production, d'autres encore à couvrir les frais d'organismes professionnels ou interprofessionnels ou de services d'études techniques, d'autres à assurer le financement de la sécurité sociale, donc l'assurance chômage, et les allocations familiales. Sur ce, revenez-moi là-dessus. Je vous ai laissé mes coordonnées et je pense que c'est important qu'on puisse vraiment partager entre nous toute cette question-là. Vous savez que j'ai des problèmes avec tout ce qui est du partage de l'information, mais là, j'ai vraiment trouvé, si on veut, tout ce qui concerne l'impôt et ces choses-là. Là, j'essaie de revenir sur Facebook. C'est vraiment pas vite ce matin, je vous dis franchement. J'ai des gros problèmes avec ça. Prenez donc les gens qui m'ont écouté actuellement, là, enregistrez ça, puis envoyez-moi le lien. Parce que là, mon ordinateur ne répond pas. Donc, je suis vraiment pas capable de sortir de là. Je vais être obligé... Oui, ah, voyez-vous, là, ça commence. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, 1, 2, 3, je décroche tout.
puis je vous reviens là-dessus. S'il vous plaît, enregistrez immédiatement. Je veux pas perdre ce que je viens de vous dire publiquement. Partagez-le en anglais ou en français. Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Il n'y a absolument rien. Je travaille pour vous. Là, je déconnecte carrément mon ordinateur. J'ai pas le choix. Salut! Donc, ça y est, c'est fait. C'est certain que j'ai remarqué tout de suite, il y a des gens qui m'ont expédié mon document, cet enregistrement-là. Je vous remercie, tout le monde, et je pense que ça va se partager. Voilà. C'est important parce que l'impôt, c'est fondamental. L'impôt, c'est ce qui fait vivre le gouvernement. L'impôt, c'est la racine, c'est la plus grosse racine qui fait vivre tous les gouvernements, tous les partenaires publics, privés, toutes les banques et tout ça. Et ça m'étonne davantage d'entendre que la parafiscalité n'est pas dans les caisses publiques. Donc, ça ne va pas dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui est notre bas de laine pour nos fonds de pension et tout ça. Ça ne va pas à la Caisse centrale des Jardins, du mouvement des Jardins. Ça va dans aucune caisse des banques privé, à moins que si ça va dans les caisses privées, parce qu'ils disent quand même que c'est public. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que souvent, vous allez voir l'Assemblée nationale qui vous envoie un chèque, puis on s'aperçoit que c'est le mouvement des jardins, c'est la caisse centrale des jardins qui paye pour le gouvernement. Donc, la caisse centrale ou le mouvement des jardins, ça devient une caisse publique. Puis l'impôt ne va pas nulle part. À nulle part, nulle part. C'est pas drôle, là. Donc, ça s'en va directement des poches de ceux qui nous gouvernent. Ça, c'est un revenu net qui s'en va des poches de ceux qui nous gouvernent. Et qui nous gouverne? C'est pas nos députés, puis c'est pas nos ministres, c'est pas ceux qui ont été élus. Non, ils sont pas assez intelligents pour ça, eux autres. C'est ceux qui gouvernent ces gens-là. Et ceux qui gouvernent ces gens-là, à mon avis, ils sont dans le barreau du Québec. Ils sont membres de l'administration du barreau du Québec. C'est eux qui forment les juges, les avocats, les avocates. On parle de professionnels et d'interprofessionnels. Donc, si on parle de professionnels et d'interprofessionnels, on ne parle pas de la classe sociale ordinaire, des gens comme vous et moi. On ne parle pas de ça. Nous, nous sommes des esclaves. Et le gouvernement est là, puis applaudit. Là, c'est certain qu'ils ont toutes sortes de parties. Ils s'amusent avec ça, mais ceux qui font de l'argent n'en payent pas d'impôt. Ceux qui font pas d'argent payent de l'impôt. Écoutez, le salaire minimum, quand on dit, c'est pas le salaire minimum, le revenu minimum, le seuil de la pauvreté est à 22 600 $ pour un individu. Et à 22 600 $ ils savent que c'est le seuil de la pauvreté, mais le fédéral et le Québec, le pays du Québec, le Parlement du Québec, le pays Canada et le Parlement du Canada se trouvent à percevoir sur le salaire, pas sur le salaire minimum, mais le seuil de la pauvreté, un revenu de 22 600 $ le gouvernement va chercher 2 500 en impôts. Alors que l'impôt ne va pas dans aucune caisse publique. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous dites que c'est vos impôts qui payent la santé, qui payent l'éducation, qui payent votre fonds de pension et tout ça? Ils viennent de le dire, et ça c'est public, ça c'est un document, c'est une interprétation mondiale, internationale, c'est pas rien qu'ici. C'est le même pour tous les pays industrialisés. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? La peur fait que vous vous isolez tout seul. Au lieu de vous joindre à moi, vous vous en allez tout seul, puis vous essayez de composer pour vous présenter devant les juges et les avocats pour essayer d'avoir gain de cause. Alors que c'est ces gens-là qui ont votre argent, c'est eux autres qui jouent avec ça. Où vont vos impôts? Ben, j'ai l'impression qu'elle s'en va pour payer tous les juges et les avocats. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Si elle va pas dans aucune caisse publique, comme la Caisse de dépôt et de placement, la Caisse centrale des Jardins, et les caisses qui se trouvent à financer ou à payer des prestations à partir des services publics gouvernementaux qui viennent du fédéral, qui viennent du Parlement du Canada, comme ça vient du Parlement du Québec. Parce que vous allez voir, quand ce n'est pas
la Caisse populaire, vous recevez des chèques de la Caisse populaire, mais vous allez recevoir ça de la Banque nationale. Pourtant, c'est des banques qui sont membres de l'Association canadienne des paiements. Donc, ça, on peut les considérer aussi comme étant des caisses publiques, non? Oui. C'est des caisses publiques, eux autres aussi. Puis, n'oubliez pas qu'on a seulement 1825 $ en billets de banque qui se trouve à être notre réserve de liquidité par tête au Canada. Actuellement, on est 36 300 000, quelque chose comme ça au Canada. Donc, tout le monde a 1825 $ autour environ en billets de banque puis en cents. Donc, en monnaie divisionnaire. On n'a pas plus que ça. Donc, ça, c'est bon pour un an. C'est supposé d'être ça qui vous fait fonctionner pendant un an de temps. Fait qu'imaginez-vous l'intérêt que vous payez sur tout ce que vous empruntez des banques. Essayez donc de demander une preuve de décaissement numéraire. Numéraire veut dire un billet de banque. Demandez ça à la banque, à votre caisse populaire. Demandez-leur qu'ils vous fassent la preuve d'un décaissement numéraire de façon à être certain que vos taxes, les intérêts de ça, de votre prêt, sont vraiment véritablement payés en billets de banque. Jamais. Ils ne vous donneront pas. Au contraire, ils vont vous mettre dans le chemin, ils vont saisir votre maison, ils vont envoyer des huissiers. Les huissiers sont tous au courant de ça, tout au courant de ça. Ils vont venir vous voler. Pourtant, il y a une émission de télévision sur les huissiers. C'est beau, hein? Puis les huissiers ont l'air, il y en a qui ont l'air pas pire, il y en a d'autres, mais ils se donnent ils se font donner une forme de compassion. Puis la population ici, bien, vous jugez. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Mais vous jugez les gens qui passent devant les huissiers et qui se font voler. Moi, vous m'avez jugé quand j'étais emprisonné, hein, le 12 décembre 2014. Je me suis fait passer pour un rien. Pourtant, je suis toujours un rien pour vous autres, peut-être. Mais au moins, je vous dis la vérité. Je me fous que vous me maissiez. Je m'en fous. N'oubliez pas que dans la loi, dans la Constitution du Québec, de l'an 2000, la loi 20.2, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec. Quand le gouvernement du Québec a adopté cette constitution-là en l'an 2000, c'était pour donner à vous, la société, qui ne connaissait ni les lois, ni la procédure, ni la constitution, c'était pour vous donner à vous le plein pouvoir de décider. Puis moi, quand on m'a mis en prison, ils ont dit, ben vous là, monsieur Normandin, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes en marge des autres, ben on va vous rentrer dans la gang. Il faut que vous faites comme tout le monde, comme tous ceux qui connaissent rien, comme ceux qui ignorent les lois, les procédures et les constitutions. Vous devez faire comme tout le monde, parce que, écoute, ça prend des ignorants pour faire vivre le gouvernement. Les gens qui connaissent comme moi, si tout le monde, si les 37 millions qu'on est au Canada avaient toutes mes connaissances, écoute, n'aurait pas de gouvernement comme ça, ça se peut pas, c'est impossible, on pourrait pas arriver puis accepter qu'il y ait des gouvernements qui nous gouvernent comme ça, c'est impossible. On parle de la langue, hein? On parle de culture, on veut conserver notre culture alors qu'on est des animaux et des personnalités juridiques. Un animal, c'est une personnalité juridique, ou c'est absolument rien. Dans la loi au 5 du fédéral, puis là je vous informe, ils disent bien, le gouvernement, que quand il s'adresse à vous, il s'adresse à personne, seulement à votre code postal puis votre nom de famille. Puis un nom de famille, ça ne se baptise pas. Essayez donc de baptiser M. Normandin. Non, ça ne marche pas, ça. T'sais? On baptise un prénom. On ne baptise pas un nom de famille. On ne baptise pas 10. Combien il y en a de Normandins ici, au Québec? Normandin Transport, hein? Les routiers Normandins ou les restaurants Normandins. T'as un Normandin ici, la ville de Normandin, juste la ville de Normandin, là, dans le bout du Saguenay, dans ce coin-là. Écoute, il y a du monde, là, c'est une ville, hein? C'est ça, Normandin. Hein? On baptise-tu Normandin? On baptise-tu Monsieur Normandin? Monsieur Normandin, c'est quoi? C'est un titre, monsieur. C'est comme un titre boursier. Mademoiselle Normandin, c'est un titre aussi. Madame Normandin, c'est un titre, mais c'est rien de plus. Comment ils peuvent vous distinguer, Madame Normandin, là? Mettons qu'il y a une soirée publique, là, avec votre député et tout ça, puis vous êtes sans Madame Normandin là-dedans. Vous allez dire, oui, Madame Normandin, oui, Madame Normandin. Les gens vont se regarder. C'est quel Madame Normandin qui veut parler? Quel Monsieur Normandin qui veut parler? Arrêtez donc, là, donc. Revenez donc les deux pieds sur la terre. Essayez donc de respecter votre identité au lieu de respecter rien que votre langue. La langue est dans un corps humain. Elle n'est pas dans un corps d'une personnalité juridique. Vous parlez de l'angle, la loi 101, tout ce que vous voulez, alors que le gouvernement lui-même, écoute, René Lévesque le savait lui-même,
que le Québec, en 1968, que la Sûreté du Québec, qui était la Sûreté provinciale du Québec avant 1968, est devenue la Sûreté du Québec, puis que l'expression « province » qui est désignée dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, n'existait plus. Donc le Québec s'est sorti carrément de la Constitution du Canada de 1867, qu'on appelle l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Il s'est carrément sorti de ça, c'est plus une province ici. Pourtant, en 1982, il y a eu le rapatriement de la Constitution. La reine a signé en haut du document, complètement dans le haut, pour pas avoir à se reprocher quoi que ce soit sur elle-même et sur ses dignes et loyaux sujets comme moi. Je l'applaudis. Si elle avait signé en bas, c'est qu'elle acceptait tout ce qu'il y avait dans le document. Non, elle a signé complètement dans le haut. T'sais, il y avait juste la couronne et il y avait elle. C'est tout. Elle a signé avec Jean Chrétien, qui était ministre de la Justice à l'époque. Donc, Jean Chrétien, lui, quand il a signé, il disait, nous, le monde ne connaît pas ça. Fait qu'on signe en l'air, c'est final. Mais en bas, là, Trudeau et Ouellette, quand ils ont signé en bas, eux autres, là, c'est eux autres qui vous ont mis dans la marde. C'est même pas Jean Chrétien. C'est pas Jean Chrétien. Puis, c'est pas la reine non plus. Ils ont signé en l'air, eux autres. Pas des farces que je vous dis là. Fait que je mets ça sur YouTube et puis partagez-le. N'oubliez pas qu'ils l'ont bien dit. Il n'y a pas un sou de l'impôt qui va dans les caisses publiques, qui va dans la caisse de dépôt de placement, dans la caisse centrale des jardins, dans la caisse centrale de la Banque nationale ou dans toutes les caisses centrales des banques qui sont membres de l'Association canadienne des paiements. Parce que je suis certain que toutes ces banques-là ont tous des caisses centrales, des caisses publiques, et il n'y a pas un sou des impôts qui s'en vont là-dedans. Ça s'en va pour payer qui? Hein? Écoutez, ça s'en va-tu directement sur le gaz? On a de l'air de quoi? Là-dessus, 29 octobre 2018, salut tout le monde, partagez-le. Bye!